Pourquoi vous dérivez, vous faites les primitives? Une personne? Ok. Ok, merci. Bonsoir. Mes invités vous souhaitent la bienvenue. Ok, pour répondre à cette question, n'est-ce pas pourquoi faire la mathématique? La réponse est mes ambitions. Dans mes ambitions cadrent, n'est-ce pas, avec la mathématique. Merci beaucoup. Bon, vous savez, je vais essayer d'être concret. Vous avez entendu parler de la météo. Vous avez dit qu'on prédit le climat. Donc, la météo est basée sur les dérivés. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine donnée, on dérive une autre. Vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, par exemple. L'intelligence artificielle, ce sont les dérivés. Ça veut dire que l'apprentissage de la machine, ce sont les dérivés. Ça veut dire, donc, si vous maîtrisez, lorsque vous maîtrisez toutes ces formules-là, lorsque vous maîtrisez toutes ces notions, lorsque vous êtes confronté à l'intelligence artificielle, lorsque vous êtes confronté à toutes ces notions de recherche, vous avez tous les deux. C'est un rapport au dérivé, pour voir les fonctions, les problèmes, je prends par exemple le coronavirus. Vous remarquez, après 2 ans, ils ont sorti le vaccin. Ça, c'est parce qu'ils ont utilisé justement des machines, ils ont utilisé des super machines pour pouvoir simuler et même le test, on travaille les machines. Et justement, pour représenter le problème, on utilise les fonctions. Donc, ça c'est par exemple un point. On parle des repères autonomés, X, Y, Z. On parle d'une figure sur le plan et tout. À quoi ça sert? Toute information que vous avez, c'est-à-dire la couleur de votre vêtement,